il faudrait qu'une personne soit consacrée. Miss, c'est je vous demande oui. d'applaudir Madame Crane qui va faire le couronnement de la Miss et le maire de la ville, Monsieur Ronald Andri, s'il vous plaît. Ils ont pas comme même. Vous voulez donner nous plus fort, battre nous. Comme vous le savez tous, c'est le titre du roman de René Lépestre qui lui a valu le prix Renaudot de la France. C'est ça, Adriana, dans ton oreille. Et bien justement, Adriana doit pouvoir dominer la ville par sa façon de faire. Adriana sera toujours présente, Miss Adriana, et nous sommes certaines que Miss Adriana ira beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Merci pour toute l'attention que vous avez eue. Il est toujours important de les rappeler que être couronné Miss, c'est pas seulement un couronnement, mais c'est aussi une responsabilité. La voilà celle-là qui est consacrée Miss pour cette année. Le jury a tranché. Et bien entendu, elle est très, très, très émue. Merci. Bon, c'est le moment arrivé pour quitter à Douane et à Merla pour placer pour vous en troisième. La deuxième, mademoiselle Télé Michelin. Deuxième. Elle a obtenu 428 points. Télé Michelin. Pardon des applaudissements, Didier. Je vais vous donner un applaudissement. Michelin, avec toi. Oh, oui, tu m'as doublé, on est pareil. Bye, bye, bye. Deuxième point. On continue avec Marlène. On dit silence. Bon, droit, moi. La troisième, je... mademoiselle Chibline Lusson. Elle est venue. Elle est là. DJ! Mademoiselle Lusson, pour la soupe. Fais-le. La forme pour faire ça. Mange la caille, pas de la jambe. Tout artiste, tout le monde.
Et enfin, la quatrième, mademoiselle et Brunet Mathurin, elle a obtenu 379 points. Et des applaudissements pour mademoiselle Mathurin. Je rappelle qu'elle est la plus jeune à avoir participé de ce concours de Miss. Son numéro 1. Mademoiselle Edwina Mathurin, la cadette du concours. Et voilà. Vous avez le classement. Vous connaissez à présent le verdict. Maintenant, la parole est au mien. La parole est là.